On va te poser quelques questions, car j'imagine qu'avec ton expérience, tu vas avoir quelques conseils à nous donner, J'espère. notamment sur des techniques pour s'endormir facilement et rapidement. Alors le soir plutôt, est-ce qu'il y a des choses, la lecture, ce que tu disais? Alors, là, il ne faut pas oublier que l'heure de coucher est déterminée par l'heure de lever. Hein. Donc, du coup, bah, garder des levers réguliers, c'est effectivement les 5 points dont on parlait. Donc, les techniques pour s'endormir rapidement, garder un lever régulier, se coucher lorsque l'on sent la somnolence, attention aux excitants, café, thé, coca, chocolat, attention aux écrans dans les 2 heures avant d'aller se coucher et maintenir une activité physique. Ensuite, réussir à s'apaiser pour faciliter l'endormissement. Donc, savoir une activité calme qui vous plaise, des rituels agréables. Ça peut être le rituel de la tisane, par exemple. Ça peut être le rituel du livre, de la lecture avant d'aller se coucher ou de la musique avant d'aller se coucher. Ça peut également être les exercices de méditation, sophrologie, auto-hypnose, qui facilitent l'endormissement. Donc, les techniques de respiration, les techniques de cohérence cardiaque aussi. Ou alors, on peut avoir les métronomes lumineux, ce qu'ils appellent ça, la boîte dodo. Donc, ça projette un halo au plafond où il faut caler sa respiration sur ce halo lumineux. Les boîtes de méditation, j'ai oublié le nom, où on écoute les méditations jusqu'à s'endormir. Voilà, tout ça, il ne faut pas hésiter. Mais si au bout d'une demi-heure, vous ne dormez pas et que vous commencez à vous énerver, à faire la crêpe, il faut sortir. Voilà.